Il y a celle avec qui tu t'envoies en l'air et il y a celle qui te fout en l'air. Et des fois, c'est la même. Quand une de mes amies m'a dit qu'elle avait été humiliée, rabaissée par des mots, des coups, qu'elle avait été violée dans son couple, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire? Et puis, je me suis dit que j'allais essayer de faire tout ce que je pouvais. Et donc écouter, croire, soutenir et puis agir. Et agir, bah, c'est essayer de créer des endroits, des moments où je suis sûre qu'elle ne rencontrera pas son agresseur. C'est hors de sa présence, témoigner sans la nommer. C'est avertir les personnes quand je le peux. En tout cas, me taire ou fuir, ça serait être complice, donc pour moi, c'est pas possible. À la maison, on a beau jouer de la perceuse. À la maison, on a beau porter dès que c'est lourd. À la maison, on a beau porter les pantalons. À la maison, on a beau être la bouche de notre fame, des fois, on est aussi son punching ball. La violence, c'est pas toujours le masculin qui frappe sur le féminin. La violence, c'est le pouvoir que l'un ou l'une décide d'exercer sur l'autre. La violence, c'est pas forcément le mec qui t'agresse dans la rue tard la nuit. La violence, ça peut être quelque chose de très insidieux. Ça peut être ta meilleure amie. Ça peut être ta petite copine. Ça peut être quelqu'un que t'aimes. La violence, c'est aussi de se taire. La violence, c'est aussi de ne pas vouloir regarder ce qui se passe dans notre entourage. Quand les actes de violence impliquent des personnes qu'on connaît, des personnes avec qui on est lié affectivement. La violence, ça peut être aussi la peur de témoigner. La violence, ça peut être aussi la peur d'ouvrir les yeux. La violence, ça peut être le déni. Pour moi, il était plus facile d'écrire des textes pour dénoncer la violence dans notre société, le patriarcat et les agissements des hommes contre des femmes, que de regarder ce qui se passait très près de moi, dans un cercle d'amis. La violence, ça peut être de s'aveugler. Je participe à des films et je fais des vidéos où parfois la violence physique est mise en scène avec mes partenaires. Bien sûr, ces jeux sont toujours avec un consentement mutuel et le respect des personnes qui sont impliquées. Et ça n'a rien à voir avec une forme de violence physique qui peut être imposée et qui vise à contrôler l'autre ou à le dominer. Je dirais simplement qu'il ne faut pas confondre le jeu, les fantasmes et la réalité. Le BDSM et le viol, ça n'a rien à voir. Le BDSM doit être négocié. Et lorsqu'un viol a lieu dans le cadre de pratiques BDSM, c'est pas du BDSM qui a dérapé, c'est du viol. Bon, je peux faire la striptease dans la vie, mais je dois dire que la chose la plus difficile et vulnérable que j'ai jamais fait, c'était arrêter de... la silence de victime. Il n'y a pas un type de victime. On peut être féministe, fort et extroverti et quand même subir des violences dans le milieu LGBT et queer. Que ça arrive à moi, à mes proches ou pas, la chose féministe à faire, c'est à croire aux femmes et de les soutenir. Les victimes de violences, lorsqu'elles témoignent, ne sont pas des personnes faibles, ce sont des personnes fortes, car il faut énormément de courage pour oser raconter ce qui nous est arrivé et oser témoigner auprès des autres. Les personnes violentes ne se baladent pas dans la rue avec des cornes et un bâton, hein. Les personnes violentes sont en général des gens charmants, sont en général des gens séduisants. Le fait d'être séduisant, ou le fait d'avoir du talent, ou le fait d'avoir des amis ne préserve pas d'être quelqu'un de violent dans sa vie privée, avec sa compagne ou son compagnon. Il est facile de faire la fête et de côtoyer des personnes sans prendre en compte les violences. Pourtant, en tant que membre de la communauté queer et LGBT, il est de notre devoir de faire face à ces violences,
Ouvrons les yeux et faisons face. Quand on parle de la violence, on parle la plupart du temps d'actes d'hommes contre femmes. La plupart des actes de violence sont commis par des hommes sur des femmes. Dans le milieu LGBT, quand on entend parler d'une lesbienne, ou d'un trans, ou d'une trans, ou d'un gay, d'une personne LGBT qui aurait commis des actes de violence, souvent les personnes qui dénoncent ces actes sont accusées d'être transphobes, ou lesbophobes, ou homophobes. On est tellement obsédé par l'idée de donner une bonne image à notre communauté, que parfois on n'ose pas dénoncer ce qui se passe au sein de cette communauté. Nous, les lesbiennes et les trans, ne sommes pas seulement victimes de violences. Nous pouvons aussi en être coupables. Et s'il y a des violences parmi nous, c'est bien parce que certains et certaines d'entre nous les commettent. Et c'est pour ça qu'il faut remettre en question ses propres comportements violents. C'est aussi notre responsabilité de créer des endroits sécurisés pour le milieu LGBT, identifier les personnes qui ont commis des actes de violence, leur parler et si besoin est, leur refuser l'entrée à nos soirées. Accepter des gens qui commettent des actes de violence, c'est cautionner leur comportement.